Bienvenue les gens, bienvenue sur Skyrim Berserker. Eh oui, regardez-moi ça, ce paysage, comment c'est magnifique. Donc, l'épisode précédent, qu'est-ce qu'on avait eu déjà? Le fameux tertre. Le fameux tertre qu'on a eu un langage, une voix puissante qui nous est intervenue, sauf que je n'ai pas assez de trucs dragoniques pour pouvoir le débloquer. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, du coup, on va continuer à se diriger. On avait dit qu'on allait où? On va aller là. La tour de guet de la brèche. Je sais pas ce qu'il y a exactement. Et ensuite, on va aller trouver la source d'énergie de ce donjon. Pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Savoir si c'est lié au message de miracle ou pas. Oh, je peux vous aider? Voilà. Alors, on en est là, donc il faut que j'aille par là. Mais en tout cas, la vue est magnifique. Là, j'avoue que je veux bien faire un truc de garde ici. Après, tu risques de te faire chier au bout d'un moment, hein, je pense. J'ai vu qu'il y avait une maison là-bas. Ah oui, je sais ce que vous allez me dire. Oui, Yugi, tu t'écartes encore du droit chemin. Oui, ça va, je fais ce que je veux, non? Hein? Oui, il y a du monde là-bas, attendez, ils ont l'air d'être... Ils ont l'air d'être sur les dents, là. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes en ligne? Wow, 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 d'accord. Ok, vous êtes méchant. Ok, vous êtes méchant, voilà. Voilà ce que j'en fais des méchants. Non mais oh, je vais vous apprendre à m'attaquer, vous. Oh, un magnifique endroit comme ça, le gâcher. C'est dommage. C'est dommage. Bon, qu'est-ce que vous foutez là, vous? Vous êtes qui, vous? Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, effectivement, vous avez trouvé quelque chose et vous avez cru que j'étais un... Mais êtes qu'on perd de la tête, hein. Je suis désolé. Pour 19 pièces d'or. Vous avez creusé pour 19 petites pièces d'or. Oh les pauvres. Oh les pauvres. Oh, alors ça c'est con. Ça c'est très très con. Petit sac, grand sac. La maison elle était là-bas. Voilà. Oh les boules pour eux quoi. 19 pièces d'or pour... pour se faire tuer, pour se faire zigouiller. Parce que je suis arrivé, je ne savais pas qui ils étaient. Je suis arrivé pour dire bonjour, vas-y, voilà. La gentillesse même, tu sais, le mec tout gentil qui cherche des amis. Et les mecs se sont fait défoncer pour 19 petites pièces d'or. c'est un arbre. Au début, j'ai cru que c'était un mec. Je sais pas ce que c'est là-bas. C'est un village. Alors, j'ai un arc. Faudrait que je chope des flèches. J'aurais pu choper les flèches, t'en dis que. Ouais, faut que j'y pense. Et les autres machins pour pouvoir chasser, même. Ouais. Ou j'y pense la prochaine fois. Ou j'en achète ou... Quoique, non, c'est pas parce que j'ai de l'argent que je dois tout dépenser. Yugi, voyons. Hein. Fais attention à ton portefeuille. Fais attention au porte-monnaie. T'as tes conneries. Enfin. Alors, où est-ce qu'on est? Si je ne connais point les lieux, et forcément ça lag. Où est-ce qu'on est? D'accord, je suis revenu comme un connard à mon lieu d'origine. D'accord. Eh ben, allez, on va y repartir en arrière. Alors, quand je vous disais que mon sens de l'orientation était déplorable, hein, il est légendaire. Hein. C'est. Alors, vous êtes plus surpris, hein, maintenant vous le savez. Oh, une route. Je sais pas s'il y a quelque chose là-dedans dans ce lac. Enfin, qu'on arrive à choper une potion de respiration aquatique, un truc comme ça pour pouvoir y aller, mais faut trouver une grosse quoi, un truc qui marche bien quoi. Un truc qui marche bien.
Bon, on va continuer par là-bas. Donc j'ai perdu du temps comme un connard. Comme un connard. Et ben on va nager. En plus, en même temps, je crois que je peux boire. Voilà, en plus, je peux remplir mes gamelles. En supprimer, carrément. Par contre, vous avez vu les gardes? Les gardes n'étaient pas. Ils n'avaient pas de tenue en fait, c'était vraiment des gardes, à mon avis, c'est des gardes de la ville, de leur propre ville. Ça devait être un village indépendant, je pense. Alors, on est dans la bonne direction, normalement, oui. Donc là, à mon avis, il doit y avoir des ours, parce que quand on voit la gueule des arbres, vous vous souvenez ce qu'a dit la nana la dernière fois, c'est les ours qui niquent les arbres. Alors. On est là, mais on doit aller tout droit, donc on va pas suivre la route. On va escalader un peu. Il y a une maison là-bas, une sorte de... Non, c'est... Attendez. C'est une scierie? Non. Voilà, je m'éloigne, je sais. Rien de pire. Je m'éloigne encore. Ça, c'était magnifique ce qu'on a fait. C'était magnifique. Je n'ai Dieu que pour toi, Lydia. Comment ça, la fille du village? Vous allez la fermer, fermez vos gueules, oui. Alors, oula, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Bonjour. S'ennuyer ici. Chaque jour se ressemble. Oh. J'aimerais aller dans une capitale. Peut-être même Longsanglo. N'importe où, sauf ici. Vous faites peur, hein? Vous avez une tête qui fait peur. Oh, comme il est mignon, il est allongé. J'espère tout. Devenir peintre un jour. Mais à ce rythme, ce n'est pas demain la veille. Allez à la tour là-bas. Vous allez voir, vous avez une vue magnifique. Garde de la brèche. Il paraît que la garde de l'aube est en pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires maintenant, dans le vieux fort près de Fayez. J'ai presque envie de me joindre à eux. Le vieux fort près de Fayez. D'accord. Eh ben, on ira faire un tour. What? Quoi? À l'école des Nitrourtes? Sérieux? J'ai le droit de les prendre? Putain, je peux. J'ai beaucoup à faire en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez? Rien du tout. Si vous avez besoin d'argent, aidez-nous donc à la récolte. Ok, eh ben, écoutez, il y a beaucoup de nids en route ici. En fait, c'est moi qui l'a fait pousser, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Je suis la seule personne vivante capable de cultiver la Nirnrout de la graine à la taille adulte. Je vois ça, mais comment vous avez réussi un tel espoir? C'est impossible. J'ai eu un bon mentor. Il m'a dit tout ce qu'on peut savoir sur la Nirnrout et ses étranges propriétés. Il y a bien longtemps que je ne l'ai vu. Je me demande ce qu'il est devenu. Vous semblez épuisé quand même. Ça se voit tant que ça. Oh, j'ai tellement de choses à faire ici. Entre les travaux de la ferme, ma culture de Nirnrout et ma sœur Adouri que je dois surveiller sans cesse, je n'ai pas le temps de me reposer. Je pourrais vous aider si vous voulez. Vraiment ? Je comprends quoi, mais... Voilà qui me changerait. L'un des ingrédients dont j'ai besoin pour cultiver la Nirnrout est le raisin jasbé. Son jus acide est idéal pour la terre. Et le raisin jasbé, j'en ai pas, moi. Pour mon champ. Bonne chance pour le raisin jasbé. Il est très rare. Ah oui, je veux bien vous en croire. Mais ouais, putain, du Nirnrout quoi. On s'ennuie. Du raisin, non, je pense que les gens ils en vendent. Oui. J'ai de la Nirnrout à vendre. Le travail honnête est honnêtement récompensé. Est-ce que vous êtes alchimiste? Mais je n'ai plus beaucoup de temps pour ça, malheureusement. En fait, quel connard le mec qui revend. J'ai possédé un atelier à Videcville. Mais j'ai dû tout abandonner quand le mont Écarlate est entré en éruption. Le mont Écarlate ? Peut-être qu'un jour je rouvrirai un magasin ici, en bord de ciel. D'accord. Et votre sœur vous cause beaucoup d'ennuis ? Vous voulez que je la tue ? Elle est ce qu'on appelle un esprit libre. Elle est errée dans la forêt, l'automne, pendant des heures. Si nous vivions dans mon atelier d'alchimiste à Vivecville, ça irait encore. Elle pourrait errer le long des canaux. Mais ici,
Il y a énormément de travail à faire, sans parler des dangers qu'elle n'est pas prête à affronter. Bonne chance pour le raisin Jasbet. Il est très rare. D'accord, Jason Raspberry, elle a dit. Elle est où la sœur là? Faut pas essayer de la calmer un peu? Là, par là. C'est vrai qu'elle fait que de courir, hein. Tu vas te calmer, oui? Sale gosse! J'aimerais aller dans une capitale. Peut-être même Longsanglo. N'importe où sauf ici. Ok, elle s'en fout complètement. Donc putain, les lignes de route, quoi. Combien en avait? Et comme un connard, j'ai des cunis, j'ai refendu les siens. J'ai aucun respect. Aucun. Alors, on est par là. C'est par là, c'est par là, c'est par là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu un ennemi. D'accord, c'est un renard. Elle utilise la magie maintenant, Lydia. Ok, bah, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Tour de guet de la brèche. Toi, t'as un ennemi, toi. Tant d'en finir, vous avez mal choisi votre moment pour vous perdre. Allez! Ah, merde, j'ai pas visé le bon! J'ai pas visé le bon! C'est pas grave, c'est le but. Allez! Tiens! Il y a un mec au-dessus. Priez Stendhal tant que vous le pouvez encore. Allez, crève! Tu es le chef de bandit de la tour de guet. Ah, d'accord, c'était ça. Ah, c'était ça. Oh, toi, t'es magique, toi. Mâteau orc de moisson. La véritable nature des orques. Les orques ont vu le jour à la fin de l'ère de l'aube. L'histoire qui les rattache à tort au peuple sauvage. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais tourner les pages. Et puis, si vous avez besoin de lire, vous mettez sur pause. Je pense que ça va être le mieux. Ça je le faisais déjà dans d'autres jeux. Je pense que c'est le mieux. Par contre moi j'ai gardé le bouquin et je vais le lire hors vidéo. J'aime bien ces histoires là moi. J'ai peut-être été trop vite. Attendez. Hop. Hop. Voilà, on va reprendre à partir de là. Voilà, c'est bon. Hop. Le récit d'Algerd. Ah bah ça m'a fait gagner un niveau, alors attendez, j'attends que le truc disparaisse, pareil si vous voulez lire, hein, si vous lisez ou si vous lisez pas, vous avancez un peu, puis voilà quoi. Putain, il est grand le bouquin, wow, oui, beaucoup de choses à lire. Ah, l'histoire doit être intéressante. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, je suis lourd. Faut que je regarde c'est quoi la masse aussi, si elle fait quelque chose de bien ou pas. Des flèches. Ouh, je vais pouvoir chasser. Je vais pouvoir chasser les gens. Attendez, j'ai peut-être une solution. Est-ce que ça dépasse de beaucoup? Ah ouais, 388. Ouais, ouais. Je ne peux pas donner à Lydia, on est plein. Vraiment qu'on arrive à trouver un endroit absorbe 15 points de vigueur. Ok, 634, ça me fait chier, mais bon, c'est pas grave. Allez, 126, voilà. On arrive à combler avec l'argent. Défense d'orqueur, poids 1. Donc ça, je peux le prendre. Du gigot de chèvre. De la peau d'ours. Poids 3. C'est trop. Deux, putain, je peux pas tout prendre. Je peux pas tout prendre. Oh, ici, il y a de quoi faire, quoi. Pâte de lapin cru. Ragnar carbonisé. Bon, ça se mange, hein. Ça se mange. Tanigrac. Je peux faire des choses ici.
Oui, je peux faire de la peau. Mais j'ai besoin d'un truc d'ours, donc je ne peux pas l'utiliser. Je peux faire une cape normale. Et ça, c'est quoi ça? Je peux faire... Ah d'accord, je peux faire une gourde. D'accord. Non, il faut que j'arrive à me débarrasser d'abord des peaux d'ours et pas ensuite faire après le reste. Ok, et eh ben écoutez, ça c'est fait. On va aller ici. J'arrive pas. Ah, on va le supprimer. Ah. Ah, y a une cabane là-bas, mais on va éviter de... Il y a la tour de guet. Si un jour on y repassera par là, au pire on verra bien. Donc, c'est là ou c'est là qu'on doit aller? C'est un truc qu'on doit pas rentrer. C'est là. Lydia, je l'ai encore perdue. Non, elle est là. Elle est là-bas. Alors, on l'a chargée comme elle est. J'ai gagné un niveau. Alors, on en profite. Je vais mettre de la vigueur pour gagner encore de la force. La parade, on va l'améliorer. Frappe puissante. Réflexe. Parce que pareil, une attaque puissante ennemie, le temps ralenti. Oui, ça je veux. Je sais pas si je prends... Oh, c'est magnifique ça. C'est merde. Oula, attendez, je fais peut-être une connerie de passer par là. Ouais, je fais une connerie. On va éviter. On va faire le tour. J'ai peut-être fait une connerie encore de passer par là. Voilà, bah écoutez, on va passer en diagonale. Allez. Voilà, on y arrive. Allez, 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 monte, monte, monte. Ah, j'ai fait une connerie, les gens. Allez, j'en peux plus. Là, par là, j'arrive à passer, c'est bon. On va faire le tour, on va continuer de monter, on va faire le tour. Ça va être plus simple. C'est beau ici, par contre, on est à l'automne. Non? On n'est pas à l'automne? Vu les couleurs des arbres, je sais pas si c'est pris en compte le. Je sais que j'ai installé un truc de climat avec la flotte, le machin, tout ça sur Tamriel. Mais alors, est-ce que les arbres et tout ça sont pris en compte? Je ne sais point. Et là, c'est la mer qu'on voit là-bas. Hein. On est si près que ça de la mer? Le mec, on a rien à foutre des pentes, c'est... Allez, allez, oh, c'est quoi ça là-bas? Oui, il y a des morts. Oh, d'accord, ok. Allez. Allez, bouffe ça. Je suis pas en mode vénère. On va mettre le casque quand même au cas où si on se prend une flèche dans la tête. Allez, se cacher. Oh, putain. Non, c'est pas les ennemis. Ok. Les chasseurs. Comment ils avancent? Non, d'ailleurs. J'ai entendu quelque chose. Oui, c'était moi. C'était moi. Ne vous inquiétez pas, c'était moi. Alors, on avait dit les flèches. Ah oui, important les flèches. Ça va me permettre de pouvoir chasser. Voilà. Chasse et je pêche par ici depuis des années. Ok. Je braconne. Regardez donc. Ok, ouais, je veux bien. Ouais. Poitrine de faisan. Défense de mammouth, peau de chèvre. Écoutez, moi je peux vous vendre des trucs. Je peux vous vendre, vous avez pas beaucoup d'argent. Ok. Non, bah écoutez, on va. Si j'ai du limpin cru si vous voulez. Et de la poitrine de faisan. Voilà, ça vous intéresse? Impeccable. À la prochaine fois. Ok, donc ça, ça va. C'était léger. Donc on doit continuer par là. Donc je lui disais, oui, je suis surpris de voir la mer d'aussi loin. Bon Dieu, on va peut-être éviter de passer par là, on va être obligé de faire un grand détour, je pense. Je ne suis pas invincible.
Ouh, ce bruit, c'est un bruit de squelette, ça. Alors, attendez, on va bien observer la carte. Ah, d'accord. Donc, ouais, ok. Faut que je fasse le tour par là. Parce que là, si je descends, je vais m'éloigner. Et, alors que c'est sur la piste, mais plus loin. Je vais sûrement avoir une montagne à passer. Oui. Ah, c'est moi qui... Oh, tiens. Toi, tu tombes bien. Je peux le prendre, hein? Oui, je peux. Allez, encore 5. Ça lag. J'aime pas quand ça lag. J'irais tellement plus vite avec un châle, mais là, pour le moment, bah, j'en ai pas, c'est ça le truc. C'est quoi ça? J'ai vu quelque chose là-bas. Est-ce que c'est un ours? J'ai pas rêvé, j'ai bien vu quelque chose. Ah bah ok, c'est un élan. C'est un élan, et je peux chasser, mais j'ai assez de peau de bête et tout pour le moment. Et c'est ça qui comble. Et je trouve les flèches, et au final, ah oh bah non, non mais si, non, ça m'intéresse pas. Alors, il va falloir que j'escalade tout ça. Ouais, mais je suis pas dans la merde. Là. Comment je peux pouvoir monter? Y a pas de chemin. Ça va par là. La chute d'eau là-bas qui est magnifique. Et j'ai aucun moyen de monter. Ah, je suis dans la merde là. Putain, non, s'il faut que je refasse tout le tour. On va tenter l'escalade. Ah, je crois que c'est mort. Je crois que c'est mort, les amis. Allez, escalade. Oui, tu es trop fort. Tu es fort. Allez, grimpe. Et ben voilà, on y arrive. Oh, regardez-moi ça. Cette montée de l'impossible. Putain, je connaîtrais un escalade, un mec qui fait de l'escalade pro, je lui dirais son nom. Mais j'en ai pas. Hop. Oh là là, magnifique. Regardez-moi ça, oui. Et quand tu regardes en réalité, tu me vois faire des bons à chaque fois. hop là, voilà. Donc c'est plus stylé quand même d'être à la première personne qu'à la troisième. Bon, on a réussi à monter. Alors. Oui, un dragon. Il y a un putain de dragon. Oh, c'est quoi ça? Oh, stylé. Aïe, ah, je vais mourir. Potion de point léger, profus. Je sauvegarde, parce que j'ai pas pensé à le faire. C'est parti. Faut que je le fasse atterrir, cet enfoiré. Ça va être dur. Désolé pour le bruit, mais j'y peux rien. Il atterrit. Ok, go! Non! Putain! Oh, cette vue! Pourquoi ça fait ça? C'est horrible! Ça me nique les oreilles à chaque fois. Ça, je vais vous l'enlever, vous inquiétez pas. Ok, il a atterri. Alors, potion. Faut que j'ai de la vie, j'en ai pas. Putain, j'ai plus de potion. Je vais pas avoir le choix. Magie, je pense que je suis en train de faire une connerie.
Je suis en train de faire une connerie. Ok, c'est bon, j'ai assez de vie. Ouais, c'est bon. Allez, ah, ah, salaud. Ah, il m'a bouffé. Il m'a bouffé. Non. Ah, il m'a bouffé. Ah, je suis mort ou pas? Bon, je suis pas dans la merde. Il n'a pas fait son sort. Ok. Alors, les soins. Il faut un maximum de soins. Ok. Alors, l'arme, Dragon Slayer. Ok. Je sauvegarde. Et c'est parti. Ah. Foiré. Ah, il a redécollé. Putain. Vite. Objet. Potion, magie. Magie. Faut vraiment que je comble la génération. Ça, on va le prendre. C'est pas du feu qui me balance dans la gueule. C'est de la magie, j'ai l'impression. Restore. Magie. Dépêche-toi. J'ai plus de magie. Bon. On sauvegarde. Ah, tu n'aimes pas ce que je te mets, hein? Tu n'aimes pas! Ah, tu étais magnifique. Ouais, des os dragons et je peux pas les prendre, j'ai plus de place. Cuir de lingot d'acier, ouais. Va falloir que je fasse un tri, j'ai pas le choix. Amulette d'Akatosh, anneau d'or et épée de verre. Oh là là. Et un nouveau mot est appris. Ciao! Non, c'est pas ça. Vie aura de perception. D'accord, donc ça, en fait, c'était la source, donc ça n'a rien à voir avec Mirac. Donc j'ai un ami quelque part qui m'indique où est-ce qu'il faut aller pour avoir des dragons. Oui, de la lavande. Oui, je vais prendre. Par contre, je me suis encombré d'un truc débile. Il est où? De toute façon, ça, je vais la prendre. Voilà. Peau de ranière carbonisée, chitine de voisard. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fout là, mon épée? Oh, il doit y avoir un bug. Il a dû y avoir un bug. Elle a dû tomber ou je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a eu. Bon, eh ben écoutez, on va se reposer. Et on va s'arrêter là, les gens. Je vous dis à la prochaine, au prochain épisode. Tchuss !